Allez, continue à marcher. Allez, alors. Test de l'installation, verrouiller la prison. On va voir, à l'occasion, 8 heures, c'est ce qu'il faut pour qu'il termine son isolement et qu'on puisse commencer, quoi. Cool, et cette cellule a été nettoyée entre temps. Bon. 41%. Ce coup-ci, c'est la bonne. Du moins, il y a intérêt pour lui. Alors, on voit mal, mais il est en isolement pendant... Ouais. Bon, il est en isolement pendant encore 8 heures et un quart d'heure. 8 heures et quart. Bon, le verrouillage, 49%. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. On va te faire griller. Il y a des mecs qui crient. J'ai une centaine de mecs qui crèvent par jour. J'en ai rien à carrer, mais lui, je veux qu'il reste en vie pour avoir le plaisir de le tuer moi-même, quoi. Non, mais ce jeu, c'est un truc de malade. Faut... Jouez pas à ce jeu, vous allez y perdre votre santé mentale, clairement. Non, en vrai, c'est un super jeu. C'est un super jeu. Bon, il est un peu répétitif sur certains points, mais voilà, quoi. Dès qu'il y a un truc comme ça... Alors que je vous dis, hein, en vrai, je suis vraiment pas pour la peine de mort, mais c'est qu'un jeu vidéo, quoi. Voilà, quoi. Est-ce que s'il meurt pendant la procédure d'exécution, est-ce qu'on peut quand même encore le mettre sur la chaise électrique et l'activer histoire de dire c'est fait? Je crois qu'il y a eu des cas comme ça, hein, où ça s'est vraiment passé comme ça en plus. Tiens, mademoiselle, tu vas rester à ma disposition, hein? Est-ce qu'on risque d'avoir besoin de toi d'ici 5 minutes? Ah ouais, mais là non, si tu pars comme ça... Bon, bah tant pis. Je pensais qu'elle allait se soigner en cellule, en fait non, elle l'embarque. Allez, 96%... Eh mais dites donc, il y a un sprite de foiré ici. Oh mais le sprite est foiré ici. Oh, c'est moche ça. Bon,
Je viens de voir que le sprite était foiré, mais bon. Bon, il est inconscient. Une équipe médicale est demandée, s'il vous plaît. De toute urgence. Bon, de toute façon, son isolement continue à filer. Ah, c'est la dèche quand même. Que de bordel. Bon, 98% pour l'isolement, pour le lockdown. Ah, pour le verrouillage. Ouais. Il nous faut une équipe médicale tout de suite là, où il va caner. Non, s'il vous plaît, non, allez, une équipe médicale là. Y'a quelqu'un qui arrive ou... S'il vous plaît. Là, toi là. Non, bah, t'as quelqu'un déjà dans les bras. Toi là. Viens vite, y'a une urgence. Il va canner avant la fin. Purée, j'y crois pas. Oh non, je suis deg. Ouh. Oh, j'ai eu peur. Oh, Warden, tu nous as fait peur. Tu nous as fait peur, Warden. Ok, le mec à côté vient de se chier dessus, je sais pas si ça s'est vu. Tranquille quoi. Ah, c'est la joie l'isolement en fait. C'est vrai qu'il n'y a même pas de chiottes dans mon isolement quoi. Je veux dire, même en vrai ça n'existe pas ce genre d'isolement. Ah, je sais pas. Peut-être aux États-Unis. De toute façon, ils sont tellement tarés, les États-Unis. En France, en tout cas, dans les prisons, même l'isolement, t'as le droit à au moins un chiotte et un banc, quoi. Je veux dire,
Et tout est fixé au sol. Ce qui est logique dans un sens, mais... Bon, le verrouillage, là, c'en est où, là? Et en fait, il est même plus affamé, en fait. J'ai pas vu, mais en fait, il est même pas, il est même plus affamé. Il est où? Warren. Ah ouais, il est même plus affamé. Ah bah c'est bon, son exécution, c'est bon. Ça va se faire. Je sais pas comment ça se fait, ils ont dû le nourrir en intraveineux, j'en sais rien. Bon ben c'est passionnant en attendant hein. C'est wow hein. En plus la barre d'outils est supprimée donc on peut rien faire. On peut rien faire d'autre qu'attendre en fait. C'est un poil chiant. Alors j'espère clairement que en version finale. Ah ouais mais non. Ouais non je crois qu'en plus on va se faire chier comme un rat mort à cette exécution. Et oui, mais j'espère au moins que le... Oui, excusez-moi, je mange en même temps. Attendez, je ferme ma bouche. J'espère que le développeur, il a quand même prévu maintenant pour sa version finale une animation lorsque la chaise électrique s'allume, enfin qu'il se passe quelque chose, quoi. Que le mec, il remet les doigts de pied ou quelque chose, quoi. Bah alors je me ferais chier, je ferais un petit montage. Je ferai un petit montage, je... Et je... Comment? Je pense que je mettrai l'extrait de la ligne verte où il active la chaise électrique ou quelque chose d'un genre. Bon, eh merde là! Palton! En cellule! Tout le monde en cellule! Les mecs qui sortent d'isolement. En fait, le truc, c'est les mecs qui sortent d'isolement. C'est ça, c'est qu'il y a des mecs qui rentrent et qui sortent de l'isolement, quoi. Non, ça va pas, ça.
Ou alors faudrait supprimer la... Faudrait supprimer l'isolement et l'infirmerie le temps de l'exécution. Parce qu'en fait, c'est là où il y a toujours du transit, en fait. Et c'est ça les 2% qui restent. Le 1-2% qui reste là. Ouais. Fait quand même bien chier Warren. Clairement. Pourquoi t'as chopé ce ciseau? Hein? Pourquoi? Quel intérêt t'avais? Je vais mettre en pause. Annule l'exécution. Je vais maintenir le verrouillage. Et je vais aller dans le déploiement. C'est ça que je voulais faire. Et retirer un garde à chaque cellule. Pour qu'ils puissent mieux travailler, quoi. Pour que j'ai plus de gardes disponibles. Je pense que pour le reste c'est bon. Allez, hop. Donc. Je remets en pause, j'ai pas. Hop, on va aller voir notre fameux Warren. On déloque. On relance l'exécution, on verrouille, on teste l'installation et on reprend. Voilà, et là au moins j'ai plus de gardiens pour s'occuper du schmilblick. Putain, puis on en a un qui fout la merde là. Un légendaire. Bon, je vais couper 1 minute, de toute façon, il y a... c'est chiant, clairement. J'aurais fait une coupure, certainement, enfin, j'en sais rien. C'est chiant.
C'est long. Donc je coupe et on attend que ça se termine. Ok, enfin, et ben au moment où je me suis dit, putain, je vais finir par annuler parce que ça m'énerve. Bon, donc voilà. Donc là, on a la dernière visite qui arrive. Donc on a donc le religieux, il semblerait. Et escorté jusqu'à la chambre de. Ouais, donc. Donc voilà où on en est. Donc on va suivre le religieux dans un premier temps. Ça a l'air d'être hindou ou un truc comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout à quoi. C'est un prêtre, mais prêtre de quoi, on sait pas. Ça a l'air d'être hindou ou un truc comme ça. Je sais pas, le turban sur la tête. Ok, et Warren est conduit à sa cellule. Donc tout va bien. Famille de la victime. Ok. On peut avoir plus de détails sur lui ou non, pas du tout. Petite amie de Noël, d'accord, il avait une petite amie. Et le père de, d'accord. Et une petite fille qui fait partie de la famille. Alors ça, je le sais, c'est un des grands. Comment dire? C'est un des arguments de ceux aux États-Unis qui se battent contre la peine de mort. C'est que dans ce genre de, avec ce genre de procédé, avec la peine de mort, en fait, il y a deux familles qui sont victimes. Il y a la famille de la victime ou des victimes, enfin, on va dire de la victime. Allez, pour faire simple, on va dire un mec tue un autre, il est condamné à mort. Donc il y a la première famille victime, c'est celle dont le fils a été tué. Et la seconde famille victime, bah, c'est la famille du condamné. Parce que déjà leur réputation est ternie. Et puis et ils vont perdre un fils également, quoi. Voilà, ça c'est un des arguments. C'est un argument de ceux qui combattent la peine de mort aux États-Unis. Ça, je le sais. Après, bon, c'est un argument comme un autre, ça peut être contredit, ça peut être. Donc il y a l'avocate, non, il y a le directeur, donc notre directrice, Safara Aknova, le chef de la sécurité et donc le témoin religieux. À mon avis, c'est dans un souci de, entre guillemets, laïcité, mais c'est dommage qu'on ne sache pas justement à quelle religion il appartenait. Ça, mine de rien, enfin. Ok,
Bon. Les derniers sacrements, hein. Alors, ça, c'est une question que je me pose. Alors, en fait, moi, tout ce qui est religieux, alors, je ne suis pas du tout religieux. Par contre, ça m'intéresse quand même. Je sais que, bon, je sais que dans la religion chrétienne, il y a les sept sacrements, notamment le sacrement, bon, bah, de l'enterrement, hein, enfin, voilà. Et comment ça se passe dans les autres religions? Chez les juifs notamment, chez les musulmans, même dans le bouddhisme en fait, je sais pas s'il y a entre guillemets un sacrement pour vis-à-vis de la mort. Oh, il doit y en avoir un, mais comment ça se passe Ah, si vous savez, tiens, ça peut être intéressant quoi. Et surtout, sacrement, est-ce que c'est différent justement selon la personne? Enfin, là par exemple, on a un condamné à mort. Est-ce que la religion prévoit ça? Enfin, j'en sais rien, hein, je demande ça. C'est une question comme une autre, c'est une question à se poser quoi. Enfin, c'est est-ce qu'il y a Ah, la musique devient angoissante quand même. Ah, oh, le chef, il pourrait ouvrir quand même. Allez, ouvrir. Allez, on va enfin pouvoir exécuter Newell. Ah, j'avais dit que ce serait le Dawa, que je ferais un tas de blagues et tout, puis finalement je suis un tas sérieux, je me pose un tas de questions sur les religions, les trucs comme ça. Bon, enfin bref. Notre directrice en tête, bien sûr. N'empêche, on en aura chié pour l'exécuter. Hein. Là 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 là. C'est là qui bip. Eh merde. C'est vrai que c'est un peu con que j'ai mis. Ah, le pire, c'est ça quoi. C'est la petite amie de Newell. En fait, il avait une petite amie en plus. Et ça, on le savait pas. La musique est super angoissante. Je sais pas si vous l'entendez bien. J'augmente un petit peu. Mais la musique est suffisamment. Ok. Bon ben. C'est parti. Il va être midi et demi. Exécution. Voilà. Donc, comme prévu, on s'est fait chier. Hein. Pour cette grillade, franchement, peu d'ambiance. Hein. Ouais, voilà, donc c'est fait. Hein, bon. Ouais. Ouais, on s'est fait chier, hein. Bon, je sais pas si j'aurais mis une petite image, un petit truc pour l'exécution, mais clairement, on s'est bien fait chier, hein. Aucune animation, que dalle, il y a juste un gros louche. Et c'est tout. Franchement, nettement moins spectaculaire que dans la ligne verte, hein. Ouais, enfin bon, voilà quoi. Allez voir ce film. Si vous l'avez pas vu, allez voir ce film. Allez, hop, laissez partir les témoins. Et on fait le rapport. Alors, l'exécution mandatée du détenu Warren a eu lieu comme prévu à 12h30 par électrocution.
En présence de témoins, une rémunération standard de 10 000 $ est remise à l'institution s'en étant chargée. Voilà. Non, il a disparu ou c'est juste qu'il est dans le... Ouais, non, il était dans le brouillard de guerre. Ok, très bien. Et on a déjà notre suivant qui est Stephen Welch. Hop, ok, Stephen Welch. Bon. Bon, on a touché 10 000 dollars et on a eu une exécution, mine de rien. Je sais pas si j'aurais la décence quand même de mettre un extrait de la ligne... Enfin, l'extrait de la ligne verte où il y en a un qui se fait électrocuter, enfin... Ouais, non, quand même pas. Non, on va garder un minimum de décence quand même. Mais on va quand même jeter un œil à notre prochain condamné à mort, qui a 33 ans, qui s'appelle Stephen Welch, qui est condamné pour crimes multiples, dont meurtre, vol à main armée, viol, meurtre. Ok, d'accord. Encore un violeur. Ok, très bien. Il a plaidé non coupable à ses 4 affaires. Et il est à 40% de probabilité de clémence. Il est résistant. Et il est en relativement bonne humeur. Bon. Bah écoutez, on a fait ce qu'on avait à faire dans cette prison, clairement. J'ai de la thune, j'ai ce qu'il faut. Moi je vous propose c'est qu'on tente le mode évasion. C'est qu'on tente le mode évasion. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en gros on va incarner certainement un prisonnier. Et le but va être de soit s'échapper, soit passer par la conditionnelle. Mais on va essayer cette prison. On va essayer si dans mes conditions on peut s'évader. Alors, je vais faire une petite sauvegarde pour cela. Et on va repartir en mode... dans ce fameux nouveau mode. A tout de suite. Très bien, donc j'ai lancé le mode évasion. Donc je m'appelle Joanne. Ça craint comme nom ça. Bon, enfin bref. Donc je suis apparemment de moyenne sécurité. Et je me trouve actuellement dans ce fourgon. Réputation. Dépensez vos points de réputation. Vos points de rep en réputation pour améliorer les capacités de combat de votre escouade. Ok, d'accord. Est-ce que ça veut dire que je peux recruter des gars? Donc je suis là. Ok, je me suis fait verrouiller. Et je suis un membre de gang. Ça m'a très 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 mal finir pour moi. Ok. Bon, j'accélère un petit peu x3 quand même. Super intéressant ce mode quand même. Donc j'incarne un de mes prisonniers. Enfin, je suis un prisonnier. Ok, donc la salle d'admission. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. D'accord, donc je me balade avec les flèches directionnelles. Est-ce que je peux me balader en cliquant? Non. Est-ce que si je clique sur un... Ah, je me fais déshabiller. Ok, d'accord. Je suis à Walp. D'accord, il m'a rhabillé. Est-ce que je peux essayer de me barrer? Ah, je me suis fait... Ok, je me fais embarquer en cellule.
Oh, excusez-moi, je viens d'entendre mon téléphone qui a sonné. Je reviens, je coupe. Non, je vais les mettre en pause. Je coupe, je reviens. Bien, excusez-moi, entre les amis et la famille qui m'appellent en ce moment. Ouais. Pas mal occupé, mine de rien. Ok, donc je suis toujours là. Où suis-je? Ok. Je suis en x3 et pourtant ça rame à mort. Donc, je suis un peu déçu d'un truc, c'est que je me suis retrouvé à... Help. Tiens, je viens de voir un truc, c'est que j'avais de l'aide apparemment en bas. Ouh là, la sauvegarde est un peu longue par contre. Aurais-ce ramé? Non, c'est bon. Ok, donc ça c'est mes points. Help. Ok. Évadez-vous, c'est votre seule chose d'en sortir. Première étape, réputation. Votre réputation est à peu près tout ce qui compte ici. Améliorez votre réputation en en initiant des combats. Vous vous ferez très certainement remarquer en blessant des personnes, mais vous pouvez aussi commencer en cassant des choses. Plus vous ferez de dégâts en cours de combat, et mieux ce sera. Ne laissez pas de témoin ni un gardien vous surprendre en train de vous battre. Vous serez sanctionné, à moins bien sûr qu'il ne soit plus là pour se plaindre. Se faire tabasser ne fait jamais bonne impression. Essayez de faire pencher la balance de votre côté. Seconde étape, escouade. Recrutez d'autres prisonniers pour votre tentative d'évasion. Sifflez pour les appeler et ils vous suivront partout où vous irez. Cliquez sur leur nom en haut à gauche. Ils se rangeront également à vos côtés pour combattre, ce qui vous aidera à améliorer votre réputation encore plus vite. Entraînez votre escouade, un bon combattant ou un coureur rapide pourront peut-être s'avérer utiles. Troisième étape, contrebande. Il vous faudra des armes et des outils. Découvrez où vous pourrez trouver les choses utiles, examinez l'endroit et vous trouverez vite quelque chose d'intéressant à voler. Attention aux détenteurs de métal et aux gardiens effectuant des fouilles, s'ils découvrent quoi que ce soit, vous serez placé en isolement. Dissimulez votre matériel, vous pouvez cacher vos trouvailles dans d'autres cellules ou dans celles des autres détenus. Souvenez-vous simplement où vous laissez les choses. Étape 4, tunnel. Il paraît qu'il y a de la lumière au bout. Ouais, d'accord, ok. Tunnel, il paraît qu'il y a de la lumière au bout, d'accord. Équipez-vous d'outils et commencez à creuser un tunnel à partir des toilettes de votre cellule. La progression est lente. Faites-vous aider par des membres de votre escouade. Ne vous faites pas repérer. Si un gardien vous voit entrer dans un tunnel ou en sortir, vous serez grillé. Bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Ok, très bien. Apparemment, je peux pas quand je suis menotté, mais bon. Ok. Alors, question.
C'est ça ma cellule, hein, c'est ça, hein, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ok. Oh putain. Je me suis direct fait Ok, je me suis direct fait rect quoi. Ok, quand je suis menotté, je peux pas bouger. Et je suis à l'isolement pendant 12 heures. Purée! Bah, ces sanctions. Dépensez un point de réputation pour que tous les membres de votre escouade passent leurs sanctions à dormir et se réveillent dans leur cellule. Ok. Ok, ça c'est cool. Alors attendez, je réfléchis. Parce que moi quand même, j'ai bien protégé ma prison. Où est-ce qu'il y a le moins de gardiens? Donc là-bas, c'est les condamnés à mort. Ici, c'est atelier. Tiens, j'ai laissé un servomoteur ici, tiens. Une arme, il me faudrait une arme. Ok, allez. Hop, passez la sanction. Ok, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des armes ici. Il est quelle heure? 19 h. C'est pas dans le jeu, l'ambiance. Ok. Je pensais que c'était dans le jeu, en fait, non? Il y a une ambulance qui vient de passer dans la rue. Enfin bref. Bah, je vais repasser ici, juste rapidement. Donc, comment je récupère les objets? Ok. Ouais, problème de la... Ok. Ouh! L'autre, comment il s'est fait défoncer? Bon.
Ok. Je suis inconscient. Là, je vais passer 6 heures d'isolement. Ok. Bon, par contre, là, résultat, j'augmente pas en réputation. Mais... Le problème, c'est que j'ai mis des gardes trop partout, quoi. C'est impossible, le mode évasion dans ma prison. Si, y a comme ça. Attendez. Là, il va arriver, donc je peux pas. Par contre... Ok, donc là c'est mort parce que sinon je vais me faire direct tirer dessus. Là aussi. Et là, admettons, je fais ça. Oh purée. Non mais sérieusement, comment je range mes points par contre? Je vais aller voir plutôt des côtés des lots secs. Ou non, je vais voir ailleurs. Alors par contre... Ouais, là ça va un peu plus vite. Mais il n'y a pas moyen de courir Donc en tout cas, je sais d'où viennent mes objets de contrebande. Dans la prison, je veux dire, normal. Ok, donc ça c'est la salle commune. Normalement, j'ai rien qui puisse biper. Je veux dire, normalement, j'ai rien qui puisse biper. Ah, d'accord, je peux zoomer avec Z et... Oh purée. Eh, je me fais défoncer direct. D'accord, ça c'était un bâton. Ah, je pensais, j'ai toujours cru que c'était de la drogue ce truc-là, moi. Ok, je suis inconscient, je veux juste voir comment ça se passe dans la conscience.
Je viens de voir un truc là. J'ai un truc de morgue apparemment. Dans la cantine. J'ai un truc de morgue dans la cantine. Oh, c'est pas vrai. Oh, allez, vas-y, emmène-moi. Emmène-moi, mademoiselle. D'accord, elle m'a pas tout piqué par contre. Et je peux pas me battre quand je suis... Je peux pas me battre quand je suis menotté. Ah, 30 heures, mais dans la vache, 30 heures d'isolement. Et en vrai, j'ai passé 30 minutes d'attente, quoi, si je veux gagner des points. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas la peine, quoi. C'est moi ou j'ai pas eu de sanctions là? J'ai pas de temps de sanctions, j'ai rien là, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas bouger, je peux rien faire. Ah si, ça y est. Ouh, non. Ok. Émeute. Je fais l'isolement pendant 24 heures. J'ai dépensé un point de réputation pour passer mes 24 minutes d'isolement, tant pis. Et là, je suis à l'isolement. Oh putain. Comment je me fais défoncer? Bon, j'ai quand même gagné un point de réputation, mais j'aimerais participer à l'émeute, moi. Voilà. Elle est où l'émeute? Attendez, ouais mais non. Je m'en fiche. Je sais pas ce que j'ai, ce que je vais avoir en sanction là, donc c'est vrai que là quand même je me dis, ah, les sanctions en lockdown quand même ça aurait été mieux. Mais non mais vitesse x3 par contre, parce que par contre ça risque d'être long quoi.
Non, mais ça peut être intéressant comme mode de jeu, mais waouh quoi. C'est chaud. Enfin, dans ma prison, c'est chaud quoi. Direct. Je peux pas. Je suis à l'isolement pendant 6 heures, pendant 6 minutes. Eh, vous savez quoi? J'ai envie d'y aller. J'ai envie de dire fuck it, j'y vais. Ouais, en fait, en dessous du E, il y a un trait. Enfin, je sais pas si vous voyez. Mais ouais, il y a un petit bug graphique en fait. Ah, salut. Tu m'emmènes à l'isolement? J'allais t'épargner le travail, hein, tu sais. En vrai, ça va, César, parce que ça va faire que 6 minutes à peu près. Et je m'en fous, je vais gagner des points de réputation. Et au pire, je peux quand même, ouais, je peux quand même démolir la porte de cellule. Et avec un peu de chance, on va passer à travers les meutes. D'accord, en fait je peux payer des points de réputation pour recruter les mecs. Ok. Ben bah ouais, bah on va certainement faire ça. Tiens, il y a un mort là. Ah, c'est triste, je vais pas pouvoir participer à ça. Oh, c'est le bordel ici, dites-moi.